cikatunkmpmajaku cibalemp bëgal ulemp mak uleko jakawite bikikjaling niwund uh, yende ti wonde pa mduaba manjaku njafata ti ulemp ktambadër wing cinawing jakamobtiulntari bujuk bi ka kabofulën prim aci bujuk teb. nibu wasanten budjo ngu taaja nga teb nibu wasanten abuja ka bɔflɔ prɛm ka bɔflɔ prɛm. jaka wi kɔncɛ ka bɔflɔ prɛm prɛmpi mɛpi ku ka rɔna pun ko wàllu wi ki jippa ni ma n laku wàllu wiki lɛɛntu kɔi ndɔwi ba kɔkɔwi rɔwi kɔkɔwi kiy rɔwi wɛlka jakon ka bɔflɔ prɛm kì mẹt prìmp mi tibbùn bí kì nyakken nyakkenaambi ba nyà bí kì léǹtì bí ba nyà kò im kò im taag wiyi ò kò im ndo yi ba ò wim tsi wiyi ti prɔ a bɛ uh, ka bɔ flim prìm ti léǹtì njɛ ma n-dàkku ka bɔ flim prìm àti ngual nga tému àti wàlu taakal wàlu taakal donc àti wàlu umpar wiyi. Ni wàllu fa, wàllu faan akyi wikambi wi, wunciiwi tiburun, wàll wànu no, uh, uh, bikirobiwul ndoonawul ti wàllu wòm, wàllu mpare wi, wàllu wikambi wi, wikambi wi, wàll wimucinna wònk, wònk jìpànaamu kótómatóon wònk ome on. Gwe kowe, ou pe chan a ja. Wal utakel. Ti manjak ou mpuri pija, wal utakel, ou kija wal takel. Ngal kija wal takel. Ou wal puk takel. Wal utakel, nou kache ou, wal ou mparwi. Bi ou parvonk. Uparar wol, atingi asen gete vbut. Mwen ti wal utakel, a ka, umfarui jonet a kai umfarui ajon a ci wuta akal mai jonet o wuce aulonci wuce wuta akal ma a jon ki wani mintu ne walu fan walu fan da ya kun ku faan a ci unnetewiki ƙaici huh? tribron wala ka kajjon tribron oh, wuce or di kajjon wuce ka hannu wuce watun ga tab

ntandi tandi kija wal, wal untandi wal ntandi wal ntandi amilatu uja untandi kuja untari ma ntari apuniniti untandi kinmon wal ntari t katijwut uh, uh, ngasgetam wal unta, unt, untariwi mpuru bu nyakkanan wul te ko umpari wi jɔnat u taakal meŋ jɔnat o u ci ko kooyi me ka ci ti burun di ka jɔn o o li nga tɛbu nga ma ti kii a ci untaari djaka pii ba ni rin i meyi irin ma ti mu ka léyini ti nja jaoban longo ci untaari wa unjɔnat wi o untaari ma di ma, yenkri, ntari, jari ka jon di uh, ka jon u tsi mais oui a tsi jonnat oh a tsi dika ka tsi di ka jon ditu mui ma yankiri ntari jai ri ka jai ri ka jipannange jai ri ka nyakannaa wi ntango u tsi ko n tsi ka njon wi apara jon oh ka bi ma ma ka jon ka njon tiburoun gomentigi jai ri ka nyakannaa ngol tari. jakamob ti wal untari o wal untandi Jaka piban bi ucibi ja wal untandi gija aci tab kompar wi jonat ni koyi kambiwi dikajon ucingjej krim kwant ki prim pëcak pi aja nte inkria nte inkriya achi u yapar nya yapar wana jaw nte inkriya donc nte nte we opi banu a chit nte pute pumutu bu angal pu jo bin bin na jipana nu bu yen kri yen kri ane yapar nem tek kanu na jo nte inkriya ke jankumol ke jol eyo mantek eyo mante oyo eyi mante ayi mante mais c'est que njàkuma njabe eyyo eyi ko nga eyyo mante joona am njako yɛ mante aciko mpar wi jonat kutepi mtepa ndumte hãn alẹ turina mte mais cituko mais apara jon ka no ja jonat.

ate naa ti u jipanduru ti mu tumu oo nekk ronk lɔnkɔ au u u u u cap meenaka bi u cap moom ka te ati bat nci tip ronk lɔnkɔ ameeti kɔn tumutɔ na jo wɛɛkulɔwun ki jaa kumɔlɔ njaa o cim na yɔl mandiɛla wɛɛkulɔwun mandiɛla ah ki jɔ mandiɛla njaat mandiɛla mandiɛla. Ati par pa. mje mandiela anamarkoi me mdu ku parir prowula wulu kaon manjaku manjako mandiela apuri peci neta jot bareela ma dikajon këreela oh, mciti bareela na najori telepon wekron ajo mandiela mandiela mati aka ilongidimt pi ulund anyat mukul pëyati mandiela wulu kang'al p fwaisa bukaja man cikandiela ntena jo a ag'ak ng'al pjori mandiela par uyepar uyepara wi jakata proe prowe ucinja citi prowe këja manciti bariela Ma vinnja kroe o oh, weronn am ja, mala và majakupendémù lund ga mala netm chi kontutu nem chibarla Mao chim citibarla ma chim citibarla ne ma kanla Ma kanla majaku monu kom k de kan me war naကi ma ma ci kan déla a။

aciti ya buga ptep ana jowa maya ulemp ya yakyarur aciti piya ulemb ana jowa maya ok yenkre prin petobanten petobantin nkakoi ngiyabisau ngiya bisau atiwut tikonjonatueunyaka ngiya bisau atikak ngiya bisau Achi ngiyo saa ngiyo met nechi kom par wi jonat o koi kam biwi tiburun koi kam biwi dikajon, me wi kam piban wi u par jonat achiwi, wati ngiya bisau takal o ngiya bisau ngiya bisau takal, buru biya takal o takal ngiya ngiya bisau ngiya bisau.

Na lo kia mauci kuji pananyanalole mjol miyabisau takel atikijal kiyabisaw takel kiya kiya tutukuparu meucitubanya naloleuci nja njap ling uh, ja rob kukont mutun kuja ngiyabisaw takl donc acicompari jonat ucejonat uh, uh, ngiyabisa fan njejaplinga ngiyabisa fa win yankre prim puajantan manjaka nanjafu manjaka nanjafu ti manjakary aci kon kodoloyiba manjaka nanjafu ok atichi manjaka nanjafu manjaka nanjafu manjaka nanjafu ti kati min ji kilen tukun manjaka manjafu nanem netam jaka ti ne nambim netam manjaka ma manjaka nanjafu ju katim ki kan duwa ki man duwa ka tim ka ti manjaka nanjafu ha ju uh, banyaka ja ndi man ti nanjafu Kano manjaka Nanjafu, ti manjaka, nanjafu, ti menlengk klang kaktibu, karna manjaka, yang kri jaka mobti jaka tikmi, manjaka, mputu pita manja, manja, manjarong, apa manjaka, walim pana nunku upi URUKANGA urukangga angkettab, karna jau manja, manja, nanjafu, man, manja, apa manjaka pijaka nan jafu ha uh, uh, o pa pa jaka chi plant manjaku, jaku ko ja jakin jakin e jakin kon o ko jen jen ndung tan ko ngutam prem ma chi pijaka man jaka nan jafu ti ha manjaka jaka to win a jo ban ko u ko ma ni a anda the cartridge for the root pull. Manjaka, atiti, ma, manjaka man. ma a chi kan bi ti bruna de kajon o manjaka ti jaka nu ko e kan wi ke ka ka jon ti a patu yo ma yen jakawi jaka wi ti kitab prem we di ni prem uh,

wiiri àpennagapi ban u kese saan a tiw kese saan pere ah co kuror we wée kurowul ah co coono ma ti wée wii co wée u banniloon ci pléneter manjakoo ndege ka wée ka wék wàllu ci tung kukese saan o ci koomu tung ka rong ka rong ka kurowul akong ki ja.

yɔɔ pere inkiri o yɛnkiri o bɛnkabi o nkiri joona tiwankoyi Doanank. e, ka mpibana o e mpiban wi ntari uh, po mɛt ti mɛ n yàkka o ka bɔfula mpiren nguwal aci ngi tɛm wàllu taakal ne wàllu ntari wàllu taakal wuli bi rééróol aci ngijara ngi tɛm aci taakal o njɔnatwi o taakal ayika jɔn ayi jɔn ɔwɔ tibut ee. Uh, Uh, walfanu aka walfan aciwikanbiwi ma dikajon akajon uruci kiain ka uwalunta kajej utakalunjonatwi ni ufan wi dikajon umëntuncun waluntary jaku wulu kaunojaujabayan uh, kabofule prime de leen to pírín pa ja ka bɔfulu mpul aa uh, ba nyaadiga nee bi ko bɔfulu mpul pírín pu ma ti pu ti wàllu ntaritɛ ti wàllu ntaritɛ wòle ciwun oogu ja kee ja uh, ka mɔbu ti ka bɔfulu mpul a mɔbu titi uh, bujokoom lɔɔle ma ti fi ti léka ka bɔfulu mpiriŋ ja kee wite ti boir ti boir ja ka piban ja kɛ aari loŋ iri me me yokkɛ bɔfulu na ha lɔɔle lɔɔle ja ka bɔfulu nul ti ja ka lénti wàllu ŋa nga ngaŋal wi. pijipana pijipan ci prem pou metou ne walu tariank walu tandi ane walu takal ane walu fa o ci yon kon tari ke me un tari hein jonat bi rola bi o de kadjon hein bi kabi euh ok leg wali ga te pia tibron de ka 8h ur ke tenti walu takal o ko o nu fan Uh, di kajon, oh pano kajon. Uh, kajon, kajon kajon ti burun jakaro, ogon montugi jari ka jipan angel burun, tari a walun tari o walun tandi, un kajan de baran, in ka tambandar ti ka pichani timin, i tim bi ki mem ki binata pichani tim bukuli ti ulem pu montui, a jang ka chomara ko, yuti bu ka jaman wala kaon ba pichanet ki timukul bari ka warandin u lamp wi ci ndawi ti euh euh pretend ma jaku jab li nga pretend nja koy ka warandja tari waranja fan ok euh in the in to film pe gek to sino pa pe 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 ban da ngal da ngal bu de de euh non pe gek sino pija ka wi neji de pe ban neji ma puk gak pu katra pun ku ruwat ka pun dangal, ngal nyam gak ba pu ko a nyam ya ngal bu jukam ba jukka kiti a table bo yol was an bul ma yo euh indi ka wut pu fin en ke lent ya bu jukka na ci ha ci ka ribat na meb leng ci na meti kalon ko me ci tubu ci ka ko ba ti bu ti anjen da but

Kirlen. yon wite ynkrijakroo manata ntiti manjako jakawit kalln pmntpti pl uh, baton banchitekimanjakoci euh france on ou ti obano upianakotiesti blombpich kak bara na jen li nichin klo per nasajo prlobi ni nichijenapianule tbanuja bless corona baya kakma barama Eh bien nous revenons pour euh, la suite de notre travail, qui est un travail d'enseignement, d'apprentissage de notre langue, la langue Mandiaku. Eh bien euh, ça fait euh, quelques deux mois que nous avons pris une pause, donc les vacances, euh, vacances d'été comme on dit, hein, donc euh, c'est le travailleur qui a besoin de repos. Mais si le repos se prolonge au-delà de deux mois, trois mois, quatre mois, ce n'est plus un repos. C'est une paresse. Hein? C'est la paresse. On devient paresseux. On ne travaille pas. Donc, euh, après le repos, on revient. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous revenons pour continuer l'enseignement et l'apprentissage de notre langue, le mangyaku. Eh bien, aujourd'hui, c'est la leçon numéro 28. Cette leçon 28 concerne... Ce que nous appelons à manjaku kaboflen prime. Kaboflen prime, ça se dit en langue française la conjugaison. La conjugaison. Nous voyons, les anglais disent the conjugation. Conjugation, ça ressemble au français aussi, ce que veut dire ces, ces mots-là, euh, prononcés en français aussi bien qu'en anglais, pas de mots, il ne s'agit pas de mots français ni de mots anglais. Donc, euh, c'est deux mots qui viennent d'une autre langue. Eh bien, mais quand même, ils se débrouillent pour prononcer euh, cela comme ça et écrire comme ils peuvent. Mais nous, à Mandjaku, la conjugaison ou the conjugation, c'est kaboflen prime. Kaboflen. Vous dites kaboflen? Oui, kaboflen non? Prim. Alors, on dit que ça veut dire euh, conjuguer euh, un logos, un verbe. Conjuguer le verbe. Comment? Prenant un logos, prenant un verbe, on le conjugue. Hein? Donc, kaboflen, ouais, prim. Tu conjugues le verbe. Le verbe, c'est la parole. C'est le, 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 le logos. Et c'est pourquoi c'est écrit en mandjaku. La conjugaison. Kaboflen prim. Eh bien, la conjugaison en langue mandjaku, qui dit conjugaison, parle de temps. Quels sont? les temps utilisés dans notre langue, le mandiako. À mandiako, il n'y a que deux temps. Il y a deux temps, en gros, quand on prie. Généralement, donc, il y a le temps du passé, donc pour des actions accomplies, déjà accomplies, et le temps euh, du futur, c'est-à-dire les actions non encore accomplies, les actions qui viendront plus tard. Donc, euh, ces deux-là, euh, le passé, le temps passé, vous vu en français, le temps passé. Oual ou tackle. Ou bien, oual tacle Ça veut dire le temps passé. Littéralement, c'est comme le temps d'hier. Le temps d'hier. Et tu dis oual ou tackle. Ou bien, oual tackle. L'un ou l'autre, c'est bon. En anglais, on dit past tense. Past, nous voyons. Ou tackle. Et puis, passé. Oual, c'est le temps. C'est le temps. Comme quand on parle, on lit l'heure, tout ça, c'est le temps, voilà. Et puis on le dit aussi, même si en français on dit plutôt c'est l'heure. Hein? Mais le temps en français, plus précisément, c'est autre chose. Mais le temps, ou tacle, ou al ou oual fan. ou tacle lui-même est divisé en deux. Dans oual ou tacle, tu as ce qui s'est passé. Euh, de façon proche, on appelle ça le passé immédiat ou le passé proche. C'est pourquoi en français on a proche, en anglais near, near. Hein? C'est quelque chose qui est passé, mais c'est proche du moment où l'on parle. C'est déjà fait. Et donc, et puis à l'autre, c'est lointain. C'est comme si un passé, mais c'est lointain. Far, it's far. C'est lointain. Amandjako, adjoint. À part à John, oui, à part à Jonathan. OK. Et puis, on va au futur. Le futur, on dit wall, c'est comme si le temps de demain. C'est le temps futur. En anglais, future tense. Et lui aussi, le temps euh, futur, il est composé de deux. Il y a le futur proche. Amandjaku, décadion, à pas, à, 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 à kabi, kabi, décadion, c'est le futur proche. En anglais, near, the near future. En français, parfois on dit le futur immédiat. Et puis il y a le futur lointain. C'est un futur, le futur simple, il, il, est, il est plus loin que, il est loin que ça, c'est proche, et l'autre c'est lointain. Amandjaku, à tu connais mais décadion, décadion, euh, pardon, Kajon, dit Kajon c'est ici, et là, Kajon. Kajon, c'est lointain, long. en anglais, far. Nous sommes au clair Donc, le temps passé, il est scindé en deux, le temps futur, il est scindé en deux, et pour le temps présent, qui s'appelle Wal-Untari, ou bien Wal-Untandi, parce que untari vient de untandi. Parce que dans l'oralité, nous disons untari, mais en fait c'est untandi. Oual untari ou bien oual untandi ou même oual tari ou oual untandi. Oual untari ou bien oual untandi. Mais disons l'un ou l'autre c'est bon. Et en français. Ça veut dire le temps présent. En anglais, present tense. Et ce temps présent est composé de deux aussi, de deux parties. Il y a la partie qu'on appelle, c'est un passé proche, et il est utilisé dans le langage où on parle de choses présentes, de ce que l'on fait présentement. On peut utiliser le passé proche, donc Jonathan, ou bien le futur proche. Decadion. Ça va venir, mais Decadion. En anglais, near. Et là aussi, near. Tout ça, c'est proche. C'est pourquoi le présent est utilisé dans l'ordre. Nous allons prendre des phrases comme exemple. Et voilà. La phrase, la première ligne, là. C'est une question. N'te incrie N'te incria. C'est une question. C'est une question. Ça veut dire comprends-tu maintenant ça c'est comprendre. Comprends-tu maintenant Ah, le A là c'est emphatique. C'est emphatique. De telle sorte que je dis, parce que si je ne mets pas de l'emphase je vais m't'incrir on ne sait pas trop si c'est une question ou pas. Je peux même utiliser ça et dire kria, kria. c'est pas une question, c'est une affirmation euh, qui demande seulement que l'autre confirme. Voilà, euh, c'est pourquoi on dit comprends-tu maintenant? Comprends-tu en français? C'est le présent. Et tu réponds, Eyo mente. En effet, je comprends. Eyo mente. En effet, je comprends. C'est comme si tu dis, En effet, j'ai compris. Je comprends ou j'ai compris, c'est la même chose. Ok? N't'incrire. Eyo, Eyo, ça veut dire, En effet. Ey, c'est oui. Eyo, une emphase avec le O pour dire, En effet cest à dire oui, oui, oui. Je dis oui et je mets l'accent sur le oui. Eyo, eyo, mante. Tu as dit mante. Et c'est tout, je comprends. Bien. L'autre euh, phrase de la ligne 1. Oe Ça veut dire que fais-tu? Que fais-tu? Mandela, je mange. Que fais-tu Je mange. Ça signifie aussi, que vas-tu faire Que vas-tu faire Mandiala, je vais manger. Les deux, c'est toujours dans le temps présent. Tu peux le traduire ceci ou cela selon le contexte. Parce que quand tu... Que fais-tu Ouais, crown. Mandiala, tu Mandiela, qu ce que si je fais, qu que fais-tu C'est maintenant. Mandiala. Peut-être la personne ne t'a pas vu, elle, elle parle avec toi au téléphone, elle ne sait pas ce que tu es en train de faire, et tu lui dis, mais que fais-tu Dis Mandiala. Mais à noter ici, pour le dialecte ulund, qui a des soucis pour répondre comme ça au présent pour dire je mange, au lieu de dire Mandiala, ils vont dire kandiala. Manchi mais Manchikandela, les autres Mandiakous se disent, mais pourquoi ils disent Manchikandela Ils ne comprennent pas. En fait le Oulound voit une difficulté, il essaie de contourner la difficulté, parce que a la question n'est pas, qu'est-ce que tu es en train de faire pour dire, je suis en train de manger. Non, on t'a dit, que fais-tu? Wek ou wek Ro ou do, c'est pareil, parce que ro vient de do, on dit mando. Man mando, mando. J'ai déjà expliqué cela dans une des leçons. On ne dit pas marron. On dit mando. Une seule exception, c'est où Tam parlait à Katigny, Où Souvent, ils disent marron. Marron, par euh, leur nasalisation. Enfin que, ils disent ma, ma, marron. Ils disent marron, donc on n'entend même pas le... le, le ah, le ne, la nasalisation, marron. Non, ce n'est pas marron. Et même si on dit marron, ce n'est pas marron, c'est ma, dès qu'il y a nasalisation, c'est un deux. Dès qu'il y a nasalisation, c'est un de. Hein? Il y a une consonne là. Hein? Euh, que, ou l'enthine. Ou pitch ou C'est la lettre qui est une consonne. Ok, round. Maintenant, deuxième ligne. Nguya Bissau. Nguya Bissau. Et là aussi, Nguya Bissau passé proche futur proche Guyabissau, Guyabissau. c'est pareil alors comment distinguer c'est euh, la précision vient ici quand je dis Guyabissau, tacle à ah, là je dis euh, hier hier tacle c'est hier ou bien tackle, nous étions ou bien nous étions nous nous étions allés à Bissau, ou bien nous étions nous, nous sommes allés nous sommes allés à Bissau, hier maintenant nous étions Ok? Et là, Guy Bissau fan. C'est-à-dire, nous irons à Bissau demain. Ou demain, nous irons à Bissau. Guy fan. Guy Mais si on utilise la première personne du singulier, ici, on, a, on va dire Mia. Mia Bissau, on n'a pas besoin de ça pour savoir c'est quel temps. Mia Bissau, tu es allé à Bissau. Et ici, on va dire KIA Bissau Que? Qui a Bissau? Si tu voulais, qui a Bissau fan? Oh, Mia Bissau, tacle. Kia Bissau fan? Même si tu ne dis pas fan, qui a? C'est futur proche. Ou bien tu rencontres une personne qui est en train d'aller à Bissau et tu ne sais pas si c'est à Bissau et tu lui dis, Qui est Où vas-tu? Il hein? dit, Maya Bissau. Maya. Et il dit, Ma. Yeah. Il dit je vais à Bissau. Ce qui signifie aussi je vais aller. Mais en fait, là, ce n'est plus le contexte de je vais aller, mais je vais. Voyez-vous Il Bissau. Mais sauf ici, il y a une, une petite exception de Nguia Bissau, Fan. Nguia Bissau a un dialecte ou C'est un peu compliqué. Nguia Bissau, Fan, peut signifier tu tu vas à Bissau demain, ou tu iras à Bissau demain. Là, mais seulement où, le dialecte Utam. Utam ne va pas dire Kuya Bissau. Il va dire Nguya. Ce n'est pas Nguya. C'est Nguya. N'gia, c'est toi. Nguya, c'est nous. Là, c'est ceux qui parlent le Mandjaku, du, le dialecte Utam. Cinq villages. Basiara Baram, Betenta, et Kati. Voilà les villages qui parlent le dialecte Utam. Ndiye voilà, Bissau, Ndiye, c'est toi, tu vas à Bissau. Ndiye Bissau, Ndiye Bissau, c'est nous. Ndiye Bissau, c'est toi. Ndiye Bissau, c'est nous. Voyez-vous, ça c'est Utam. Hein? C'est eux qui amènent des complications, mais <laughs> c'est une manière de parler. Bon, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça. Bien. Maintenant, la troisième ligne, il y a deux phrases sur chaque ligne. Là, c'est euh, Manjaka Nandjafu. Manjaka, c'est on m'a nommé, on, on a dit de moi. Manjaka, c'est on a dit de moi nanjafu un héros. On m'a dit de moi. Je suis un héros. N'anjafu, c'est un héros. Donc, manjaka, n'anjafu. On a dit de moi un héros. Donc, que je suis un héros ou que je suis une héroïne. On a dit de moi une héroïne. Que je suis une, donc une héroïne. Hein? Manjaka. Et regardez-moi, manjaka. On a dit de moi, c'est un passé proche. Et là, manjaka. Voyez voilà, la différence man. Djaka et man. « man. 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 Djaka man djaka. Man djaka c'est le futur proche. Futur proche qui est en présent. « man djaka c'est comme on dit man djaka per nasajou prelubi. C'est-à-dire je m'appelle per nasajou prelubi. Même si ça ne veut pas dire c'est ça veut dire on m'appelle ou bien on dit de moi, on, on, on dit moi, donc on dit de moi, ben littéralement, c'est comme ça. Mais au-delà du littéral, ça veut dire je m'appelle ou bien je réponds au nom de Père Nassadou Prelevi. Là, Mandjaka C'est-à-dire, je m'appelle le héros. Je m'appelle la héroïne. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est un nom. Un nom propre. C'est le nom de Mandjaka. Ça, ce n'est pas. Quand vous écrivez Mandjaka, je m'appelle. Ou bien je réponds au nom de. N'écrivez pas comme ça. Jamais on dit Mandjaka Pernasadju Prelbi. Non, non, non. Ce n'est pas Mandjaka Pernasadju Prelbi. C'est Mandjaka Pernasadju Prelbi. Maintenant, quand vous entendez Mandjaka, le dialecte Oulund continue à dire Mandjaka, même si les autres, tantôt, ils le disent aussi, les autres dialectes. Mais les autres dialectes, notamment Utam, et euh, un certain pourcentage aussi important chez le Obok. je dit Manja. Manja vient de Manjaka. C'est le K, la lettre K qui a été avalée. Et on a Ja, Mais Dja, ça n'existe pas. Ça vient de Djaka. Manjaka. Menjaga Manjaka, Monica, Manjaka, uh, Amina, Manjaka, Upah Upa, Manjaka, Upali, Manjaka, Kampach, Manjaka, uh, Pati, Manjaka, Nigida, Manjaka, Pati, Tichi, Manjaka, Atichi, Manjaka. Uh, Tiutuami. Euh, la fin. Nous avons ici, le, quand on a lu ici, where crown, que fais-tu Ou bien, qu'est-ce que tu fais Where, ça vient du mot, c'est une contra contraction de deux mots. Where, OUI. Ce qui veut dire where crown, ça vient de where, we crown. Where, we crown, et ça donne where. Et c'est long. Where. Donc, where, ça veut dire, qu'est-ce donc, c'est, ça fait entrer un complément. Qu'est-ce que tu fais Donc, tu fais quoi Un complément. Quand c'est un complément, on dit oui, oui, contracté en oui Par exemple, ici, euh, euh, qu'est-ce que En anglais, on dit what What Et il y complément. Ça veut dire le complément. Par exemple, je prends l'exemple. On est sur la ligne là et son exemple est ici. Euh, Je n'ai pas eu le temps d'intervertir, mais le numéro A, c'est ici. Wemjaun. mdjaoun. Wé mdjaoun. Tu veux un Wé tu OK. Wé wimdjaoun. C'est-à-dire Ça veut dire, quand tu fais, oh pardon, quand tu dis, quand tu dis, ou bien, qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as dit ou bien, quand tu dis, ou même, que dis-tu Oui, hmm? que dis-tu C'est le présent. Mais c'est comme si euh, c'est pour un futur, mais un futur proche. Hein? Que dis-tu Ou bien, quand tu dis, voilà, que dis-tu et quand tu dis Quand tu dis, dis c'est comme si c'est un passé. C'est proche. Que dis-tu C'est comme si pas. Euh, tu vas le dire, tout ça, et tout ça, c'est le présent. Quand tu dis, ou qu'est-ce anglais What did you say? What did you say? Ou bien, what do you say? What do you say? Or what did you say? Ok, et on a ça. Et pour terminer, euh, je reviens sur ce mot de vocabulaire. Yankri. Il y a certains dialectes qui disent yankri, notamment ulund et des les, des de Baruot qui ne sont pas babok. Yankri, 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 yankri. C'est ce qu'ils disent. Yankré. Mais on comprend pour, euh, ce qui disent. Yankré, c'est cela. Ou Yankré, même parmi les babok, il y en a qui disent Yankré. Comme Oulund. Ok Yankré, ou bien comme euh, des baroutes qui ne sont pas babok. Yankré veut dire maintenant. 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 Yankré, Yankré, en dialecte Ouyo, il n'y a pas ce « i », le premier « i » là. On dit « unkeri ». Unkeri. Unkeri, c'est maintenant. Un dialecte ou bankabi ». Ou il y a huit ou même neuf villages hein, qui parlent le dialecte ou Donc, on dit « bankabi ». Quand vous entendez « bankabi », c'est « unkeri » ou « inkri » ou « yunkri ». Ça veut dire « maintenant ». Ok Il y a un autre mot qui est voisin, que, qui est utilisé par euh, euh, tous les mandiakous, mais plus fortement par euh, le dialecte utam, qui benatbi. Benatbi veut dire euh, tout de suite, à l'instant même. Benatbi, comme quand on est en live, on est benatbi. Ou bien, on peut dire Ou, cool. ou cool On fait quelque chose en live, ou bien en direct, on dit ou cool Ou bien, on dit... Hein, ça veut dire en live, en direct, ou Voilà, euh, euh, c'est ce que nous avons aujourd'hui à vous présenter, mais nous allons revenir prochainement pour la leçon suivante et nous allons un peu continuer pour le, le temps présent. Donnez encore des exemples de, de verbes et nous allons les conjuguer. Euh, et prochainement, on aura même choisi un ou deux verbes et nous allons les conjuguer hein, euh, suivant les différentes personnes euh, voilà, de la conjugaison, de la première personne à la troisième personne du singulier, la première personne du singulier jusqu'à la troisième au singulier, de la première personne au pluriel jusqu'à la troisième personne du pluriel. Voici la fin de ce cours et nous attendons vos réactions. Il faut, il faut écrire. Il faut écrire et vous devez parvenir maintenant à vous lancer, à essayer d'écrire en mandiako. Sinon, vous apprenez à lire et vous n'apprenez pas à écrire en mandiako. Et quand vous avez besoin de d'écrire de, en mandiako qui ne comprend pas une autre langue étrangère comme vous, la même langue étrangère que vous, c'est bon de vous écrire en mandiako. Et nous avons une base. Pour le faire. OK. En ce moment, pour ceux qui viennent d'arriver, ils peuvent écrire ou en, en français ou en anglais. Je répondrai. Euh, S'ils savent écrire le Wolof, qu'ils écrivent en Wolof, je ne dis pas ils écrivent n'importe quoi comme ils entendent. Non, 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 non. Ils écrivent en Wolof tel que la codification hein, en Wolof est, est, est acceptée. Hein. Voilà, la codification, le Wolof est codifié. Et si vous écrivez. Euh, Peut-être en créole portugais, le créole de Guinée-Bissau. il faut l'écrire, non pas euh, en vous jetant comme ça, euh, comme vous l'entendez, non, 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 il faut suivre la codification du créole, et je vous répondrai aussi, que ce soit en Wolof, en créole portugais, ou en français, ou en anglais, et voilà, il y a d'autres langues, mais ça, c'est des langues qui nous sont proches, euh, que ce soit le français, l'anglais, euh, le créole portugais, euh, le Wolof, euh, et voilà. C'est comme ça, on va euh, aller progressivement comme ça, doucement, doucement. C'est encore moi, votre serviteur, Père Nassadio Prelui, accompagné bien sûr de notre cher technicien, le caméraman du nom de Blaise Carona Baya Kakamank. Nous vous remercions et nous sommes avec votre écoute. N'oubliez pas d'amener d'autres personnes à s'inscrire, à s'inscrire à ce cours. Euh, voilà, ça augmente le nombre et aussi euh, la manière de YouTube d'apprécier de, ce travail que nous faisons euh, au bénéfice de notre peuple. Parce que si on s'inscrit pas, c'est comme si notre peuple n'est pas intéressé par l'instruction. Il ne il faut pas que ce soit seulement des choses de divertissement. Et là, il y a une foule qui vient, même des foules. L'instruction, sans instruction, le peuple périt parce qu'il n'y a pas de connaissance. Pour avoir la connaissance, nous pouvons transmettre notre connaissance par notre propre parole. Au lieu de prendre une parole étrangère, une langue étrangère, il faut vouloir expliquer les choses nous concernant, les choses de notre identité, les choses de notre patrimoine. Il faut faire attention. Donc nous, avons, nous allons aller progressivement. Voilà, qui ne commence pas, n'ira pas loin. Donc il faut commencer pour espérer aller loin. Merci beaucoup. Et n'oublions pas aussi la cloche de notification, hein, de la cliquer, et aussi le pouce tourné vers le haut. Beaucoup, beaucoup de pouces. Mettez-vous, vous visionnez. Et maintenant, mettez le pouce, appuyez, cliquez. Ça nous, ça nous propulse pour aller de l'avant. Parce que nous sommes Banjafo, nous sommes des héros, nous sommes des Balimps, nous sommes des travailleurs. Nous voulons faire des choses euh, avec euh, tout ce qui détermine notre identité de gens braves, de gens de, de, de travail. Et je ne dis pas que... Il euh, n'y a que de bonnes choses dans notre peuple. Aussi bien dans tout peuple, il y a de très bonnes choses et de très vilaines choses. Donc, nous allons faire le tri et avancer. Et faire le tri, c'est surtout, euh, oui, parler de ce qui ne va pas, mais parler de ce qui va. Et d'utiliser ce qui va pour aller de l'avant avec ce qui va. Ce qui va au sein du peuple Mandjaku il y en a et il y en a beaucoup. Merci une fois de plus et à très bientôt

mabukinjakaro mtifana huh. kachotora achiundimana kakawe I don't demand. Nah. Kafak, I don't demand. Nah. Kawet, I don't demand. Nah.